Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon ben ça y est, aujourd'hui nous sommes dimanche et on vient de laisser notre appartement Airbnb sans regret, parce que bon, en fait il était sale. Et du coup là on est parti découvrir, alors Julien est déjà parti avec Emma faire un premier tour, donc lui il est au courant. Et ben, les petits et moi, on va découvrir notre nouveau logement pour un mois. On va y être bien, c'est sûr. Ouais, au moins c'est une maison et du coup, ben voilà. La visite guidée de notre Airbnb du mois. Alors vous savez quoi, c'est parti. Voilà, vous avez vu, c'est petit, mais franchement, pour tous les cinq, nous, c'est vraiment nickel. On mange dehors, donc du coup, voilà, je travaille dans le salon. Donc, tout est nickel. Et puis, ben, ça nous laisse un petit mois pour trouver autre chose.
peut-être un peu plus près, mais j'avoue que j'adore vraiment le calme de la montagne. Salut à tous, alors les enfants sont pas là, le vendredi matin j'ai un peu de temps pour moi, alors on file tout de suite faire un petit peu de jogging. Old walls that I built for you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no, I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life. The love of my life. You never leave when the song is over. You ride or die till the end. You're the love of my life. You're the love of my life. My life. Oh. I want you to know that you are the love of my life. The love of my life. You never. Hey! Salut! Bon, alors après une semaine à avoir couru un petit peu dans tous les sens, et dans tous les sens du terme d'ailleurs, ouais. Parce qu'on a aussi repris un petit peu le sport. Et puis aujourd'hui, on est samedi, et puis bah, pour finir la semaine en beauté, on s'essaye une nouvelle activité. Le géocaching. Voilà, qu'on avait promis au fil depuis un petit moment. Donc on commence facile, juste à côté de chez nous. C'est histoire de se faire la main, de connaître l'application, tout ça. Donc on vous montre ça, et puis bah, vous nous direz ce que vous en pensez. Vous allez voir, on a une vue dégueulasse, c'est horrible. C'est horrible. Ce que vous venez de voir juste là, c'est El Puertito de Güímar. On ira le voir peut-être pas aujourd'hui parce que là on a pas mal de choses prévues, mais peut-être le week-end prochain. D'ailleurs, ah non, le week-end prochain on a une super activité prévue. On vous dit rien. Surprise! C'est notre première fois et nous ne sommes pas hyper doués. On n'a toujours pas trouvé, mais on continue, hein. C'est le jeu. Je promets qu'on va trouver. Est-ce que vous voyez ce qu'on subit quand on fait ça, le géocaching, le paysage de malade qu'on doit voir? Vas-y, retire-le. C'est
Attends, je vais t'aider. Aurora! Super! Emma, tu laisses à Maora? Oui, c'est normal. Tu peux voir? Alors. Donc ça c'est le papier. Ça c'est tous les gens qui l'ont trouvé. Génial, hein? Ouais. Tiens, le stylo, si tu veux écrire. Alors le dernier. C'est pour nous. C'était. 1er septembre. 1er septembre. C'est quoi, je peux écrire. Tiens, et tu mets. Tu peux pas mettre là. J'ai. Alors voilà, une fois que vous avez mis votre nom comme ça, en fait, vous avez un petit log ici. C'est la personne qui l'a caché. Donc apparemment, c'est une personne allemande qui l'a trouvé, qui l'a fait. Et donc, vous mettez votre nom, vous refermez bien. Hop. Je ne sais pas si je vais réussir à le refermer du premier coup, mais on va essayer. Mais moi, j'ai trouvé. C'est Maura qui a trouvé. Hop. Et surtout, vous remettez dans la cage comme il faut. Et pourquoi? Pour qu'il y en ait d'autres qui puissent le voir aussi. Et voilà. Hey. Il est connu. Alors l'intérêt de faire ces trucs-là, c'est aussi l'intérêt écologique, c'est-à-dire que dans son descriptif, il a mis que ce serait bien que les gens ramassent un petit peu les déchets et tout ça autour. Et surtout, vous avez cette magnifique vue là-bas, quand vous y êtes. Et voilà, voilà. Alors comme disait Julien à l'instant, l'intérêt donc c'est aussi de ramasser les déchets quand on en trouve, chose qu'a faite Emma, vous avez pu le voir je pense tout à l'heure. Voilà, elle a ramassé un autre truc, on a mis à la poubelle, donc ça c'est génial. Et alors, une chose très importante par rapport au geocaching, vous avez différents types. Là, c'était juste, vous mettez votre nom, alors prenez un stylo. Parce que c'est quand même dommage de passer un temps pas possible à chercher. Et en fait, d'arriver là, on se dit, j'ai pas de stylo. C'est déjà arrivé, hein, donc voilà. Et deuxième chose, c'est que des fois, vous avez des caches où en fin de compte, vous avez des petits trésors. Donc ça peut être plein de choses, hein. Selon la taille donc du coup de la cage et voilà, ça peut être intéressant des fois où vous le récupérez, vous en mettez un autre ou vous accumulez, enfin voilà. C'est ce qui est bien, c'est que surtout ça permet de connaître plein d'endroits et puis ben pour les filles, c'est quand même vachement plus marrant de visiter comme ça que sinon on serait venu à la statue, on aurait vu la statue et puis ben du coup on n'aurait rien fait d'autre. Donc voilà. Je trouve ça que c'est assez ludique en même temps. Donc voilà. Si ça vous intéresse, on vous met le lien d'application en descriptif d'ailleurs. Bon, sur ce, vous avez pu voir la vue qu'on a et vous savez quoi? Ben maintenant, on va aller faire une petite visite qui est tout proche aussi d'ici. Là, aujourd'hui, on reste autour de chez nous et ben vous allez voir. C'est quelque chose que je veux faire depuis un petit moment. Et puis, ben je continue de vous montrer en même temps. De Francia. Ah, perfecto. Si vous voulez en espagnol, c'est bien, très bien. Le voyez tenter en français, mais je parle un petit peu français aussi. Pour les filles. Si. Pero hablan. Espagnol también. Muy español. Maura, más o menos. Más ah, eso seguro. ¿Están viviendo aquí? Sí. ¿Viviendo aquí? Sí. Bueno, pues nada, pues yo le cuento que es una empresa. It's obvious that you and me were meant to be, but it's killing me that you and I will never see. 'Cause I don't wanna be a dirty cigarette, don't know how good that we would be together yet. Trying to see how good a man will drop his knee. But a cigarette kills you slow and it ain't good for you. You only call me when you got that stress in you. Girl, you might regret dressing up on me. Now you're thinking about the times that it could have been. 'Cause you went and said, look what you want instead of.
Don't call me girl, cause I can never tell you no. Your beauty is what's got me in your full control. And the cigarette burns out slow, and that's what I will do. But eventually this cigarette won't burn for you. Girl, you might regret passing up on me. Now you're thinking about the times that it could have been. Cause you went and settled for what you want instead of settling for what you need. Allez, on va finir en conclusion sur l'aloe vera. Qu'est-ce qu'on pouvait en dire alors? Alors, tout d'abord, la visite est gratuite. Oui. Avec explication. Multilingue en plus. Multilingue. Français, anglais, espagnol pour sûr. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. Et ensuite, eh ben, vous avez la petite boutique où vous pouvez acheter, bien évidemment, ce que vous avez envie. Voilà. Bon, c'est un peu onéreux, mais bon. C'est du naturel après. C'est du naturel, c'est voilà. Produit sur place. Bon, bah, après tout, pourquoi pas. Mais. Bon, c'est sûr, vous n'allez pas dépenser là-dedans toutes les semaines, quoi. Au bout d'un moment, non. Ça va piquer un peu. Je pense que c'est les prix qu'on trouve ailleurs, hein, de toute façon. Mais ouais. Là, par contre, pour le coup, c'est vraiment, vraiment du naturel. Ils rajoutent vraiment rien, zéro pesticide. Enfin, voilà. Le personnel est super sympa, très patient avec les enfants. C'est important. Et on vous le recommande. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, on a passé un très bon petit moment. C'est pas très très long en plus, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Si jamais vous allez par exemple visiter les El Puertito de Güímar ou alors les pyramides, arrêtez-vous, c'est le chemin et c'est super. Voilà, pour finir, on est allé faire quelques petites courses. On a voulu aller à Alcampo, à la Laguna. Alors sachez pour information que le 14 septembre, c'est la fête du Christ. Donc en gros, tout est fermé, quoi. Donc on s'est retrouvé un samedi à avoir la zone toute fermée, ça fait bizarre. Alors, on ne sait pas exactement si c'est ça, on n'est pas sûr à 100%. On suppose. On a supposé, j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y avait ça. On a supposé, mais d'ailleurs, on va regarder, histoire de vraiment être sûr. Et du coup, on est allé à Carrefour Meridiano. Le centre commercial est super. Oula, le centre commercial est super. Carrefour, on n'a pas aimé. Non, c'est juste pas possible. Voilà, et en plus, c'est plus cher. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, peut-être que vous le savez déjà d'ailleurs. Nous, on n'allait pas en France, ouais. Et c'est un peu plus cher, donc voilà. Après, franchement... Bon, ça reste moins cher qu'en France, on est bien d'accord. Ça reste moins cher qu'en France. Mais bon. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera plaisir. Ouais. Mettez un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, des commentaires, enfin, vous voilà. Connaissez la donne. Et surtout, choose your life. Ciao. Salut.